je vais pas vous faire un petit haul. Je vais vous montrer mes créas que je suis en train de faire en ce moment. Alors, j'ai trouvé des papiers à Action, bien sûr. Noël, déjà. Donc, je les ai trouvés super jolis. J'ai dit, je vais faire une petite création déjà de Noël. Je m'y prends à l'avance, c'est vrai. Mais bon, c'est long à faire, toutes ces petites créations. Et voilà, je m'y prends à l'avance, c'est vrai. Mais c'est long à faire. Donc, je vais en faire aussi un peu pour ma famille. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à faire une petite couronne, tout en petite rosace, avec des petits boutons en bois. Et j'ai commencé à accrocher ce que j'en avais récolté avec mon fils. Des petites pommes de pin, on les bombe en doré. Et voilà, j'ai commencé à en mettre quelques-unes. Je vais en mettre plusieurs un petit peu jusque-là, je pense. 5, 6, 5 par là de petites pommes de pin. Donc voilà, j'ai fait ces petites rosaces pour faire une petite couronne à suspendre aux portes où on veut. Donc voilà. Bon, c'est long à faire ces rosaces, hein. Mais avec le petit appareil d'Action, là, ça va super bien. C'est ce genre de petites choses là, ces petites plaques rainurées, ça va super bien pour faire les rosaces. Alors voilà, je me suis attelée à cette tâche. Voilà, je voulais vous faire partager ça comme déjà comme première création. Et j'ai fait, j'ai pas eu le temps de faire développer mes photos, mais je prépare une page spéciale rentrée de mon fils. Voilà, donc ça c'est les pochoirs d'Action. J'ai fait avec le petit pistolet à air là que je vous ai montré d'Action, ça marche super bien. Avec les petits feutres qui sont fournis avec. Ça c'est des petits blocs que j'ai colorisés, que je scanne et puis on sort à volonté. Voilà, un petit bonhomme comme ça, un autre avec un petit cartable. Voilà, j'ai marqué Back to School. Avec du petit papier, ça j'ai trouvé dans ce papier-là, ça vient pas d'Action, ça vient d'un journal Passion Scrapbooking. Passion Scrap, je sais plus, oui, Passion Scrapbooking. Voilà, c'est des petits chapeaux américains, là, les petits de diplôme. Et voilà, j'ai mis des petits mots, des petits, ça vient de chez Nose, c'est des petits scotch. Voilà. Ça vient aussi du livre Passion Scrapbooking. Voilà. Et voilà, ça marche super bien, ce petit pulvérisateur-là pour les pochoirs. Super, j'en suis bien contente. Donc voilà, j'ai ma deuxième création. Et puis, je suis en train de faire... J'ai retrouvé dans mes placards... Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Alors, je fais avec ce genre de pâte là, de chez Action, autour durcissante là, qui sèche à l'air. Donc, je suis en train de faire des petits moulages. J'ai retrouvé un vieux moule, je ne me servais plus. Je m'en servais pour faire des chocolats. Alors, ça, je ne sais plus d'où ça vient. Hein. C'est une boutique, je ne sais plus. Ça vient peut-être. Non, ça vient pas de Cultura, je ne sais plus d'où ça vient. Ce truc, et c'est des petites tasses, il y a des petits cupcakes, des petites théières, aussi des petits beurres, des petits pots à miel ou à Nutella, l'horloge pour le titan à 5 heures. Donc voilà, j'ai fait ces petits moulages et ça va super bien. Alors, je vais vous montrer ça, les petites horloges, je les ai colorisées. Avec les petits encres là, liquides de Action. Voilà, les petites tasses. Les petits cupcakes. Les petites théières. Je sais pas si vous voyez bien là, c'est un petit peu... voilà, la petite théière. Et des petits pots à miel ou à confiture ou à Nutella. Plutôt à miel. Voilà. Donc j'ai fait ces petits moulages. Et puis les petits beurres. Les tout petits beurres.
aussi colorisé aussi, j'ai colorisé. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça à ma boulangerie. Rêve et gourmandise. Donc ça va me servir pour faire soit une décoration de... Ça, je vais y coller pour faire une petite boîte à offrir avec des petites choses dedans. Ou je sais pas, un petit scrap spécial gourmandise. Voilà. Donc plein de petites... J'ai fait plein de petites décorations, soit pour le scrap ou soit pour faire des petites boîtes, mettre un petit embellissement sur une petite boîte, offrir des petits bonbons. Voilà. Et avec des petites gourmandises, comme ça, des messages. Ça, c'est à la boulangerie, dans une boîte à gâteaux. Ils donnent des boîtes quand on prend des petits gâteaux individuels. Et il y avait ça sur les côtés des boîtes. Donc, je récupère un peu tout. Donc voilà, j'ai récupéré ça. Donc voilà mes petites créas du moment. Je voulais vous faire partager tout ça. Et je vous montrerai après avec les photos que j'aurai fait développer. Voilà. Autrement, c'est tout ce que j'ai fait en dernière création. Voilà, je voulais vous faire partager tout ça. Allez, bisous les scrap addicts!